Bon, Pascal, ça consiste en quoi le bleu de Prusse? Ben, le bleu de Prusse consiste finalement au mariage du chariot, donc traînard, sur ses glissières. Là, on s'aperçoit qu'on a donc des glissières trempées rectifiées qui se trouvent dans la fonderie. Donc, on a modernisé les glissières pour augmenter les performances mécaniques et notamment de l'utilisation du tour. On va marier jusqu'au moment d'avoir le maximum de portée de bleu sur la partie donc mâle et femelle. Après, ensuite, on va faire la géométrie au niveau des équerrages et du parallélisme. Et quand on a une bonne totalité au niveau des empreintes du bleu de Prusse, on considère que le chariot a une portée vraiment parfaite pour une stabilité et une fidélité au niveau géométrique du tour.